Hello, coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur mon petit live d'aujourd'hui. Donc je vais vous faire un petit live assez rapidement. Déjà en premier lieu je vais vous démontrer les produits que j'ai reçus hier, ce matin, oh là là, ça commence bien. Je vais partager mon live en fait sur mon profil perso et puis on va débuter. Oh, je vous dis pas qu'est-ce qui fait chaud, mais qu'est-ce qui fait chaud. Là c'est même pas la peine, regarde mes cheveux comme ils sont secs et tout. Oh, trop chaud. Bueno, bueno. Bon, je n'ai pas mis la musique forte, alors j'espère que cette fois-ci, je ne serai pas bloquée, parce que la dernière fois, ils m'ont mis carrément en pause Facebook, en me disant qu'il y avait on entendait la musique, qu'il fallait l'enlever, sinon le live allait être supprimé, alors après, on ne sait jamais. Je ne sais pas dans ces cas-là, si en plus, carrément, ils peuvent supprimer un profil, ou la page, ou... Bon, j'ai pas préféré le faire, on sait jamais. Donc voilà. Donc j'ai mis la musique là, mais vraiment, vraiment pas forte. Voilà, comme ça au moins aujourd'hui on prend pas de risque. Bah franchement, je trouve que c'est con quand même parce que pas pouvoir écouter la musique. Alors je pense que c'est par rapport au nom d'artiste, etc. Qu'on peut-être pas, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, c'est obligé. Enfin voilà. Donc j'espère que vous allez bien, regardez ma main comme elle est belle, elle est trop belle ma main. En fait c'est les produits que j'ai reçus tout à l'heure, j'ai testé sur ma main. Et en fait j'ai voulu, ça c'est le splash en fait que j'ai voulu frotter, et voilà ce que ça a donné. Voilou, voilou. Alors je partage ça et je suis à vous. Voilou, donc je pense que là, ça devrait être bon. Le partage a été fait. Donc, je vais pouvoir vous montrer tous mes petits produits que j'ai reçus ce matin. Donc, voilà. Tout ça, ça fait du bien. On aime bien recevoir du maquillage. Mais ce maquillage-là, c'est une partie, en fait, que je n'ai pas payée. C'est pour vous montrer à quel point bah, Unique, en fait, c'est vraiment top. Parce que ce maquillage-là, je l'ai payé avec mes commissions. Donc, je ne l'ai pas payé au final. Donc, 0 euros. Donc ça, c'est vraiment le top du top. Qui c'est qui veut avoir du maquillage gratuit à l'œil? Mais tout le monde. Tout le monde. Donc allez, on va commencer. Donc je vais commencer par quoi? Je vais commencer par ce que j'ai sur la main. On va faire directement. Donc, l'encre à lèvres. Donc ça, c'est la couleur. Je crois que c'est Sucker Pinched. Voilà. Sucker Pinched. Donc ça, c'est celui-là que j'ai sur la main. Voilà, elle est là, en fait, l'encre à lèvres. Alors ça, vous pouvez regarder, hein. Il n'y a rien du tout. Voilà. Et à côté, c'est le splash que j'ai voulu frotter pour montrer. Et bien évidemment, comme il y a du transfert, il y en a eu de partout. Alors, tu vas sortir ou tu vas pas sortir? Et voilà. Donc, je vous le montre. Donc, c'est du rose, hein. Vous avez bien vu. Elle est trop belle, cette couleur. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui raffole de cette couleur. Voilà. Elle est trop, trop belle. Mais aujourd'hui, je ne vais pas la mettre sur moi. Donc, je vais faire un petit make-up assez rapidement. Enfin, moi, je dis toujours que c'est rapide. Au final, des fois, je dure 30 minutes. Je ne sais pas m'arrêter, moi, quand je commence à parler. C'est que juste que j'ai rendez-vous tout à l'heure à l'esthéticienne. Donc, il ne faut pas que je me loupe. Donc, voilà. C'est pour ça que je me prends un petit peu tôt. Mais il faut vraiment qu'à 2h30, je sois partie. Ça, c'est le splash. Donc, le splash qui est en promotion à 14,50 €. Donc, au départ, il y avait 3 coloris disponibles. Pour l'instant, il en reste plus qu'un. Donc franchement il faut en profiter parce que c'est des couleurs qui n'existeront plus en fait. Donc celui-là, c'est le Studborn. Donc c'est le rouge cerise. Regardez comme il est beau. Et c'est ce que j'ai mis là sur la main, que j'ai étalé. Donc voilout, voilout. Donc je vais le tester après, comme ça vous verrez ce que ça donne. Ensuite j'ai commandé cette ombre à paupières. Donc c'est pas le Splur, hein. C'est une ombre à paupières, donc c'est pas la crème, hein. Alors, on va l'ouvrir, parce que je vais être obligée de, avec le scotch maison, ça va pas le faire, de démolir, carrément, voilà les grands mots, les grands remèdes. Alors, c'est la couleur Fancy, donc je pense que je vais la tester sur mes yeux, je sais pas avec, qu'est-ce que je vais mettre comme couleur après, on verra bien, je fais ça au pif, hein. Donc voilà, donc c'est un beau bleu. Je vais en mettre un petit peu sur la paume de ma main pour que vous voyez. Ça peut être pas mal, c'est en creux de paupière. Voilà.
Alors celui-là, il est pas aussi, il est un peu irisé, mais il n'est pas pailleté par exemple comme j'ai le rose en fait. Hein. Mais bon, il faut changer un petit peu. Et vous avez toujours le petit autocollant afin de vous le mettre sur votre palette et que vous sachiez comment s'appelle votre couleur. Voilà. Et j'ai reçu ça en cadeau en fait. Donc ça, souvent Unique vous l'envoie, des fois oui, des fois non, en fait ça dépend des périodes. Et donc c'est pour mettre l'ombre à paupières dedans. Voilà. Moi je ne vais pas l'utiliser parce que je me suis commandé une palette vite. Palette vite de vite en fait pour ranger tous mes fards dedans. Voilà. Donc là dedans vous avez un petit aimant. Une fois que vous mettez votre ombre, c'est fini. Hein. Vous ne pouvez plus l'enlever. Donc voilà. Ensuite, je me suis commandé un petit splurge. Donc voilà, en plus il y a une promotion sur mon groupe. Donc si vous avez envie d'acheter un des trois produits du Kudo de ce mois-ci, il vous reste encore jusqu'au 9 août. Donc vous avez un Oti. Alors malheureusement, il y a eu tellement de commandes qu'il reste que le Holy Megan. Et vous avez aussi avec le Epic. Il est où le Epic? Non, ça c'est le mascara 3D. Non, il est moins épique. Il est là, il était devant. Voilà. Donc vous avez ça et vous avez un splurge. Si vous voulez être sur mon groupe, il y a une promotion actuellement. N'hésitez pas à me demander à y entrer si vous n'y êtes pas. Voilà. Donc ça c'est le splurge. Donc moi j'ai pris la couleur, le noir. Donc le magnificent. À la base c'est pas celui-là que je voulais prendre. C'était un autre, je me rappelle. Je ne me rappelle plus trop du nom, c'est que des noms anglais. Moi, vous savez comment il est anglais, c'est fait deux. Et l'autre, comme il était en rupture, et forcément, il y a quelques splurges qui sont quand même en rupture. Donc, je me suis pris celui-là. C'est un noir, voilà, tout simple. Et je vais peut-être tenter de le faire en liner sur les yeux. Donc, c'est pareil, je me suis commandé un pinceau liner exprès, mais je ne l'ai pas reçu. Donc, je vais faire avec un pinceau que j'ai. Et on va tester, on va voir ce que ça va donner. Et le dernier achat, un petit pinceau. Et ça, c'est le pinceau spécial correcteur. Donc voilà, 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 donc ça sera mieux d'appliquer le correcteur avec ça, parce que moi la plupart du temps, je le faisais avec celui-là qui est un estampeur pour le visage, mais qui n'est pas fait pour le correcteur en fait. Donc on va tester avec celui-là et on va bien voir ce que ça va donner. Allez, on va faire un petit maquillage rapide, j'espère que la musique on l'entend pas trop, de toute façon je verrai bien, hein. Si je reçois un message de Facebook, on verra bien. Allez, on va appliquer de la base et on va en mettre aussi sur les yeux. Vous avez une base spéciale pour les yeux qui est aussi en vente sur Unique, qui est vraiment pas mal. Ça permet de bien fixer les matières. Elle est pas mal celle-là. C'est sûr qu'il n'est pas pailleté comme l'autre, mais bon. Voilà. Cette base, elle est juste géniale. Mais vous imaginez même pas comment le maquillage, il y a, déjà que le maquillage, il n'y a rien à dire. Voilà. Bon. Et bien, il n'y a pas grand monde aujourd'hui sur le live. Donc, si vous voyez qu'il n'y a pas marqué en direct en haut, ça sera que le live est fini. N'hésitez pas à me faire un petit hashtag coucou, un petit hashtag replay. Si vous avez une question à me poser sur tel ou tel produit, n'hésitez pas non plus. Voilà, je suis disponible. Il n'y a pas de soucis. Donc, voilà. Donc, je vais mettre, comme il fait très, très, très chaud, je vais pas mettre le fond de teint liquide, franchement. Je vais mettre mon chouchou de l'été, mon fond de teint poudre libre. Donc, avec celui-là, j'applique le correcteur avant. Alors, il faut trouver le correcteur. Il est tellement minuscule, ce correcteur. Bueno, bueno, t'es où, petit coco? Merde, pas mis. Attendez, il faut que j'enlève tous mes pinceaux là. Alors. Il est où mon correcteur? Ah, bien sûr, il est tombé. Voilouta! Je t'ai caché, je t'ai eu, je t'ai attrapé. Et voilà! Allez, on va en mettre. Donc, moi, j'ai pas de bouton. Voilà, donc j'en mets juste pour les cernes. Je pense que j'en ai mis un petit peu trop, mais ce n'est pas grave. Franchement, ça fait quoi? Ça va faire au moins 3 semaines que je l'ai, je pense. Hein. Ben, en fait, j'ai l'impression que j'ai rien utilisé. Et pourtant, il est rikiki. Hein, rikiki, rikiki. Allez, on prend le petit pinceau. En fait, ce que je kiffe avec les pinceaux de Unique, donc on va le descendre en triangle.
ce que je kiffe avec les pinceaux de Unique, en fait, c'est qu'ils ont tous des poils doux. Mais c'est vraiment super doux. Voilà. Et après, je vais l'estomper. Je crois que j'en ai mis un peu trop, hein. Ce n'est pas grave. No is the problem. Voilà, on va déjà bien le descendre comme ça. Et je pense que je vais finir de l'appliquer avec le blender. Bon. Moi, je suis en week-end à partir d'aujourd'hui, mais c'est pas du bien ça. Donc là, je vais pouvoir bosser à fond sur Unique là pendant quelques jours. Donc j'en ai vraiment mis, je crois, une tonne aujourd'hui. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, il y en a un peu trop. Et c'est vrai que ce qui est top en fait avec ce fond de teint poudre libre, c'est qu'en fait on sent pas du tout la matière sur le visage. Et je trouve que c'est vraiment top pour l'été quoi. Parce que franchement, le fond de teint Touch Mineral, il n'y a rien à dire, il est vraiment bien et tout. Mais pff, moi, j'ai trop chaud. J'ai trop chaud. En temps normal, voilà, je me maquille parce que j'ai un rendez-vous et tout. Mais sinon, pour rester à la maison, je peux me maquiller. Voilà, sachant que j'ai travaillé cette nuit. Voiloute. C'est-à-dire qu'on est déjà début août, ça veut dire quoi? Dans un mois, ça y est, l'école reprend. L'année scolaire va reprendre, ça va être la course, entre le midi, aller chercher les enfants à l'école le soir. Ça passe trop vite. Pourquoi je fais devant le téléphone? Non mais tout le temps je fais ça. C'est pas possible. C'est pas possible, je vois même pas ce que... Ce correcteur, il est vraiment génial. Allez, les cernes, au revoir. Voiloute. Ensuite, donc, on va prendre le fond de teint poudre libre. Donc, moi, c'est la couleur jacquard, en fait. Voilà. C'est une teinte quand même assez foncée. Mais bon, si vous avez pris des couleurs, ça peut le faire. Voilà. Allez, on est parti. Où mon pinceau? Il est là. Donc, je prends la matière... Je tapote un peu et j'applique en rang circulaire. En fait, quand on applique ce fond de teint en poudre libre, c'est vrai que c'est génial, mais en fait, on dirait même pas qu'on a du fond de teint. C'est vraiment c'est ça qui est tip top en fait. Donc voilà. Sachez aussi que j'ai une petite information, c'est que les commandes qui vont être passées à partir d'hier et d'aujourd'hui, en fait, elles auront peut-être un petit peu de délai, un petit peu de retard. Car Unique a pris un deuxième, en fait, entrepôt, je pense, pour mieux gérer les commandes et pour que les commandes arrivent plus vite. Donc, en fait, ils sont en train de tout déménager. Et donc, ça va prendre peut-être un peu de temps. Hola, Chiquita! J'ai pas dit la chaise aujourd'hui. Ça va? Qu'est-ce que tu fais? On tapote, on enlève un peu la matière. Putain, il est trop bien ce fond de teint. Fond de teint poudre libre. C'est le top du top. C'est une tuerie. Aurore, dis-moi si t'entends la musique ou pas. Parce qu'après, je vais me faire encore... Ils vont m'arrêter ma vidéo après. Regarde ma main comme elle est belle. Elle est belle, maman. Je me suis fait des tatouages. Allez, on range ça. Je me touche par dit. Mais je le sais quand même. Mais je le sais que tu te touches, que tu fais rien. Arrête un petit peu. Allez, donc je vais mettre la nouvelle ombre à paupières que j'ai reçue aujourd'hui. Donc, c'est la couleur Fancy. Donc, elle est un peu irisée. Elle est un peu irisée, mais elle n'est pas pailletée comme le gift. Tu vas où comme ça, beauté? Je vais chez l'esthéticienne. Et comme je sors, il faut que je sois un peu maquillée. Tu vois, après, je vais aller faire 2-3 courses pendant que le démonio y va à la piscine. Je nettoie mon petit pinceau. Allez. Donc, on va prendre le petit pinceau biseauté.
On va voir ce que ça va donner. On va peut-être rapprocher le miroir. Parce que le téléphone, ce n'est pas un miroir. Et toujours, je fais ça. Donc, on va faire vraiment au niveau de la paupière. C'est vrai que chez Unique, en fait, c'est toujours super pigmenté. Donc, il faut vraiment pas en prendre beaucoup. Putain, c'est flash quand même. Un chouille, pardon. Il est éteint. C'est quoi un chouille? C'est quel parler? C'est français? Comment ça, il est éteint? Connasse, ça. Pardon. Peut-être tu me fais dire des gros mots alors que j'ai dit que je ne dirais plus de gros mots. Ah, il faut vraiment en prendre un tout petit peu. En fait, elle est dégoûtée, Aurore, parce que son mari est parti en vacances sans elle. C'est pour ça, elle est rageuse, là. Il est parti, il n'a pas pris avec elle. Je sais même pas où il est parti en vacances. Regarde mon doigt, comme il est... Je sais que c'est l'ongle. Eh oui, j'ai besoin d'aller à l'esthéticienne. Laisse tomber, hein. Mon ongle. Il s'est fait la malle. Un chouille, qu'est-ce que c'est ce parler d'un chouille? Bon, de toute façon, après on va estomper. Un chouille, ça y est, elle m'a fait bloquer là. Un chouille, qu'est-ce que c'est un chouille? Et toi, tes ongles, ils ont bien tenu? La nana, chez qui t'as été là? Allez, on range l'ombre à paupières, donc c'est la couleur fancy. Si je la mets pas au bon endroit, ça va pas le faire. Et qu'est-ce qu'on va mettre avec? Attendez, en plus j'ai enlevé tous mes trucs. Mais non, elle est là que je suis. Je suis teubée, moi, hein. Allez, qu'est-ce qu'on va mettre de l'autre côté? De l'autre côté, je vais mettre la couleur Jante. Jante, moi, je sais pas. Hein. Alors, on tapote pour enlever un peu de matière. Arrête de regarder le téléphone. Voiloute, voiloute. Après, on va estomper un peu tout ça. Ça, c'est vachement irisé. Alors, qu'est-ce que tu fais, Aurore? Tu te promènes dans les couloirs? Allez, on va prendre le pinceau estampeur. On va estomper un peu, surtout que là, j'en ai mis 1 kg. Voilà, et on va mélanger les matières. Il monte un peu trop haut, celui-là. Voilà. Alors, je vais voir si j'essaye le splurge. Pour l'essayer, pour faire le liner. Je ne sais pas ce que ça va donner. Surtout que j'ai pas le pinceau adéquat, en fait. C'est pas un pinceau pour faire le liner. Donc, je sais pas ce que ça va donner. On va tenter, on verra bien. Je suis vraiment bête, hein. Regardez, il est tout neuf. Quelle heure il est? 2h15 déjà. Ça c'est enfant, c'est trop beau. C'est terrible. Je kiffe ça. Sous-titrage Société Radio-Canada.
c'est vraiment pas mal en fait. Hein. Bon, même si là j'ai pas le pinceau qui est fait pour. Putain, en fait, on dirait ça fait vraiment comme un eyeliner feutre. Même si j'ai pas le pinceau adéquat, donc ça fait que le trait est quand même un petit peu gros. Enfin, on peut le faire un peu moins fin. Mais c'est pas le pinceau qui est vraiment fait pour ça. Mais en fait, franchement, c'est trop bien avec le splurge. Vous imaginez un pot comme ça? J'en mets tous les jours, moi, du liner. Alors, le truc, il va me durer un an, c'est obligé. Putain, en fait, moi, c'est trop une bonne idée. Là j'en ai mis un peu moins. Tiens, en fait c'est vraiment top avec le splurge. Hein. Donc ça veut dire qu'en fait le splurge peut vous servir comme d'encre, comme de liner, dans toutes les couleurs en fait. Après c'est selon le goût de chacun. Moi j'en ai un mauve, mais bon ça peut être sympa pour l'été aussi quoi. Putain, en fait c'est vraiment une trop bonne idée. Ah franchement c'est trop bien. Il n'y a pas de doute hein. En fait c'est ça qui est bien avec les produits uniques, c'est que ils sont multifonctions quoi. C'est franchement c'est le top quoi. Moi j'ai déjà entendu dire qu'il y a des gens en fait qui mettent ça sur les lèvres, le crayon vous pouvez le faire pour les yeux, le crayon mousse truc qui est comme ça. Vous pouvez faire pour les yeux, moi j'en ai déjà mis sur les sourcils, enfin vous pouvez en mettre là aussi, que ce soit. Franchement c'est en fait c'est ça qui est top. Donc ça c'est bon, non franchement c'est pas mal, surtout que c'est pas le pinceau, j'ai dit le crayon d'ailleurs, surtout que c'est pas le pinceau qui est vraiment fait pour, c'est pas fait pour ça du tout en fait. Donc voilà, là on va prendre le mascara à pic. Pardon. Bon, j'espère que la connexion ça va aller, parce qu'on vient de me couper en me disant que la connexion était très très mauvaise, et donc Facebook vient de me mettre en pause, donc j'espère que la vidéo ça va aller. Ce mascara aussi, il est pas top ce mascara. Je continue encore quelques jours mon sérum là pour les cils. Franchement ça marche super bien. C'est vraiment un coup à l'achat parce qu'il est quand même à 46 €. Mais franchement entre faire ça et se faire poser des faux cils pour avoir les cils plus longs, il n'y a pas de doute. Hein. Pourtant moi je peux vous dire que j'ai vraiment les cils de la merde. En fait, quand il m'a mis la coupure, là, j'ai cru qu'il me coupait à cause de la musique. C'est bon, la musique, elle est pas forte, là, sûr quand même. Voilà, faut pas hésiter quand même à les pousser vers le haut. Et comme vous le voyez, il n'y a pas du tout de paquet. Et ça, c'est grâce à la cire d'abeille. Alors, dites-moi où vous allez trouver dans du mascara. Oh, Amandine! Coucou! Tu vas bien, Amandine? T'as le splurge que t'as mis là, mais c'est de la tuerie, il est trop beau. Franchement, il est vraiment beau, il fait discret et tout, et c'est une super jolie couleur quoi. Tu bosses pas aujourd'hui? Moi ça y est, je suis en repos là, c'est bueno, ça va faire du bien. Donc... Je vais pas chanter parce que je chante comme une casserole. Alors en fait ça c'est un truc. Autant que quand je donne à manger à ma fille, quand je fais le bas, je fais toujours. Et je sais pas pourquoi. Et quand je donnais à manger à mes enfants quand ils étaient petits, je leur donnais à manger, je faisais. Trop bien le liner avec le splurge. Ouais, franchement, putain, c'est une bonne idée. Ça en fait à la base c'est une idée qu'avait donné Nadège, mais j'étais pas encore dans Unique en fait. Hein. Elle avait donné cette idée là et tout ça. Et en fait, en fait c'est trop top parce que tu peux le faire au final avec n'importe quelle couleur, après c'est à toi de voir. Et en fait, moi j'utilise beaucoup de liner en fait, j'en mets tous les jours. Et mes eyeliner feutres, enfin, ils durent au maximum 3 mois quoi, tu vois. Mais vraiment pas plus quoi. Alors que là, le pot, il va me durer un an quoi, c'est ça qui est trop bien en fait.
Donc un crayon, un eyeliner feutre, t'en as pour 20 euros, 25 euros. Il te dure 3 mois. Le splurge, il coûte 28 euros. C'est bon. Non, t'es en repos jusqu'à mercredi. Ah, trop bien. Ah, tu triches, Amandine. Moi, je suis en repos que jusqu'à mardi. Tu triches. Et ta fille, ça va? Comment elle va, ta pépette? Elle a quel âge, ta fille? Elle est toute petite, petite? Je m'en rappelle plus, tu as dû me le dire. Moi, je suis un cerveau. Vous pouvez m'appeler Dory. Hein. Oh, des fois, je suis toujours en train de tout oublier. C'est un truc de fou comme j'oublie tout, moi. Voiloute, voiloute. Amandine, toi qui as une petite fille, quand tu lui donnes à manger, tu fais pas. Dis-moi oui, ça va me rassurer. Parce que moi j'ai tout le temps fait ça. Je sais pas pourquoi. Non. Voiloute, voiloute. Donc, je vais mettre ma petite poudre. Ma petite poudre bronzante que j'ai reçue avec mon kit. Mon kit. C'est la couleur Sunset. C'est la plus claire. Après, les autres teintes, c'est un peu plus foncé. Je sais qu'en ce moment, dans le kit, quand les filles le prennent maintenant, c'est j'arrive plus à te parler. C'est la couleur Malibu. Donc, voilà. Donc, ça permet d'avoir un petit teint allé. C'est pas mal. Bon, au lieu de mettre du blush, cet été, ben, je mets ça. J'aime bien. Ah, elle a 21 mois? Ah ben oui! Et ben à la crèche ou chez une nounou? Oh mon Dieu, ça fait bizarre d'avoir des petits enfants. Bon, ils sont grands maintenant. T'ouvres pas la bouche quand tu donnes à manger? Non mais t'es sérieuse là? T'es sérieuse? Y'a que moi qui fais ça, je suis en train de me ridiculiser. Non, je suis sûre qu'il y en a plein qui le font. Alors, toujours nettoyer aux alentours. Et voilà, maintenant je vais tester mon nouveau splurge. Parce que moi, avec mon kit, j'avais reçu celui. Il est où le splurge? Il est là. Moi, j'avais reçu celui-là, donc c'est le Stellar. Voilà. Mais en fait, j'ai pas kiffé. C'est pas une teinte qui me va en fait. C'est pas pour moi. Mais bon, je le garde. Hein. Ça peut toujours servir lors des réunions et tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose pour moi. Par contre, celui-là, j'avais vraiment, vraiment envie de le tester. Donc, c'est la couleur Studborn. Je crois qu'il se dit rouge cerise en fait. Et c'est vrai que j'avais vraiment, vraiment envie de le tester parce que c'est une couleur qui tue. Donc là, je l'ai testé là. Bon, vous voyez, j'ai fait ça pour montrer qu'il y avait du transfert. Ben, il y en a. Voilà. Et juste à côté, pour ceux qui arrivent, c'est l'encre à lèvres Sunker Punked. Excusez-moi, je suis pas anglaise. Hein. Donc, voiloute. Donc, oh, c'est trop beau. On va le mettre. On va voir. J'ai un petit peu débossé. En fait, c'est des rouges à lèvres, mais en fait, ils sont assez mat quand même. Après, bon, ça fait des belles couleurs. Hein. Et ton chéri, il bosse, Amandine? Parce qu'il bosse, lui, c'est... T'as les boules, quoi. Tête de débile. Donc, voiloute. Le Studborn, il est trop beau. Moi, ouais, j'ai vu que tu l'avais. Toi, t'as eu le Stellar aussi, non? Moi, ouais, je pense que t'as dû avoir le Stellar. Comment? Moi, j'étais dégoûtée quand j'ai vu que c'était le Stellar. Parce qu'Amandine, elle avait eu ben, le Studborn. Donc, c'est elle qui me l'avait montré. Et bon, je l'avais testé sur ma main, je ne l'ai pas testé sur moi.
Mais je l'ai testé sur ma main, mais c'est vrai qu'en fait, ben, en fait que j'étais un peu, j'étais vraiment blasée, quoi. Donc voilà. Mais c'est pour ça, en fait, je me suis dit, attends, 14,50€ là. Pour ça, j'ai toutes les copines qui voulaient un splash, mais prenez-le, 14,50€, c'est rien, quoi. En haut de 29€, ouais. Donc, et puis ça, c'est pareil, voilà, contenance, quoi. T'en as pas pour 3 mois, hein. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce petit live vous aura plu. C'est assez rapide. Ouais, 2h27. Ouh, mandré seigneur. Donc, je vais vous laisser. Amandine, je te fais plein de gros bisous. Je te dis à bientôt. Il faut vraiment qu'on se trouve un moment et qu'on se cale, qu'on aille boire un café, quelque chose, enfin, qu'on puisse se voir, tu vois, en direct live. Et à tous ceux qui vont regarder la vidéo, merci beaucoup de regarder. Et si vous pouvez partager, vraiment, ça va m'aider beaucoup parce que ça fait vraiment pas longtemps que je suis chez Unique. Donc voilà, je démarre encore mon activité, ça fait pas longtemps que j'y suis. Donc je vous remercie à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Et j'essaierai de refaire un live demain. Comme ça, je vous montrerai l'encre à LED 5h pancake. Donc je vous dis merci à tous et bye bye. Allez, bye bye Amandine.